Bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être à notre rendez-vous pour ce nouveau mardi de l'espace des sciences. Alors, si vous me le permettez, Pierre, je vais annoncer quelques petites choses avant de vous donner la parole. Deux rendez-vous à annoncer, un seulement pour les Rennais, celui de demain pour un café de l'espace des sciences à 18h30 au Café des Champs Libres. Le thème « Les maladies rares entre progrès et difficultés ». Et puis pour tous ceux qui nous écoutent, même ceux qui sont sur Internet, je vous annonce que le nouveau numéro de Science Ouest est paru avec, comme d'habitude, vous savez, c'est le magazine de la recherche en Bretagne, et à chaque fois il y a un dossier à l'intérieur, et cette fois il est consacré aux landes et tourbières, une biodiversité à préserver, peut-être assez mal connue et pourtant indispensable, des écosystèmes très très précieux à sauvegarder, parce que ce sont des puits de carbone. Et puis aussi, pour quelque chose qui vous est cher, la beauté des tourbières et des landes, c'est vraiment très très beau. Alors dans ce magazine Science Ouest aussi, au détour d'une page, eh bien, on découvre que l'histoire du CCSTI de Rennes, c'est-à-dire le Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de Rennes, qui a été créé en 1984, est raconté dans un livre intitulé « Des étoiles dans les yeux », un livre qui est écrit par le directeur de l'espace des sciences, Michel Cabaret. Voilà, des étoiles plein les yeux, la fabuleuse histoire de l'espace des sciences. C'est un livre qui vient tout juste de paraître, qui est donc écrit par celui qui, depuis 30 ans, a fait croître et embellir cet espace des sciences, Michel Cabaret, dont l'anagramme du nom est « mec charitable ». C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Étienne Klein qui a fait la préface du livre, et qui est un féru, si vous le connaissez, féru des anagrammes. Alors c'est un livre avec beaucoup beaucoup d'illustrations. Il est paru aux éditions Art Collection Édition. C'est un livre avec beaucoup beaucoup d'illustrations. On voit beaucoup d'images, d'expositions de l'espace des sciences, des photos aussi de certaines conférences, des grands conférenciers qui nous ont accompagnés. Et c'est une histoire qui est assez liée à l'histoire d'un petit garçon qui venait de la campagne, qui vivait dans le Perche et qui a découvert les sciences au palais de la découverte, j'ai oublié mes noms, au palais de la découverte quand il était tout jeune, et c'est ainsi qu'il est devenu scientifique et directeur de l'espace des sciences. Voilà. Alors c'est un livre que vous pourrez trouver facilement dans les librairies rennaises, il y en a quelques-uns là-haut aussi, et puis vous pouvez les acheter au Labo de Merlin et sur le site internet de l'espace des sciences. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Alors, je voulais aussi vous préciser que ce mardi de l'espace des sciences au Champ Libre est programmé dans le cadre du temps fort Art et soins en mouvement, organisé par Rennes Métropole, le CHU et plusieurs autres partenaires de la culture et de la santé. Un temps fort qui se décline de plusieurs manières, des ateliers, des conférences, des expositions, des rencontres, du théâtre, du cinéma, et j'en oublie peut-être, dans de nombreux lieux de Rennes et de sa métropole. Il y en a pour tous les goûts. Alors je vous invite à consulter le programme sur Internet, où on a dû vous en distribuer, vous pouvez le regarder. Je ne doute pas que vous trouverez votre bonheur pour suivre ce temps fort qui se déroule, je crois, jusqu'au 16, si je ne me trompe, jusqu'au 16 avril. Merci donc d'être avec nous ce soir, et ben c'est aussi dans ce cadre donc que nous faisons cette conférence, et c'est avec un grand enthousiasme, je dois le dire, que nous avons accepté de vous recevoir, Pierre Lemarquis, dans cet auditorium qui porte le nom d'Hubert Curien, hein, ça vous dit quelque chose, dans cet auditorium des Champs Libres, et dans le cadre des Mardis de l'Espace des Sciences, parce que à l'Espace des Sciences on aime les scientifiques. Et puis en plus, il y a bien un sujet qui occupe votre temps et vos recherches, c'est bien ce rapprochement entre art et soins.
hein, je ne dis pas de bêtises. Alors, on va faire un peu plus connaissance avec vous. Vous êtes originaire d'Épinal, c'est cela ? Oui, Cité des Images. La Cité des Images, exactement. Vous êtes neurologue, vous avez étudié la neurophysiologie, la neuropsychopharmacie et la médecine chinoise. Vous êtes attaché d'enseignement en éthologie à l'université de Toulon. Et j'avais prévu de vous poser cette question, je vous la pose toujours, hein. Mais qu'est-ce qui vous a entraîné vers ces sujets d'études? Et en fait, maintenant, je connais la réponse. Il y a l'histoire d'Épinal que vous avez quitté vers l'âge de 13 ans, mais vous étiez dans le café de votre grand-mère, c'est oui, ça? Oui, ben, j'ai été élevé par ma grand-mère qui avait un café-restaurant pour routiers qui était en face de l'école des Beaux-Arts d'Épinal. Et ma mère était en sanatorium, donc toutes les jeunes filles qui étaient à l'école des Beaux-Arts venaient prendre un chocolat à 17h et c'était au temps de mère de substitution. Donc c'était une enfance très, très heureuse. J'avais accès comme ça à l'école. Et derrière, il y avait une église, Saint-Antoine, où j'étais enfant de chœur et je voulais être organiste. Donc voilà, les interactions précoces. C'est fou quand même. Hein. Et vous êtes devenu organiste? Oui, j'étais organiste entre 15 et 25 ans. Ben, cette fois, Jean Lépin, j'avais quitté Épinal en... Et tous mes amis seraient bienvenus avec moi. Et vous aimez bien dire quand même que vous avez toujours gardé ce petit accent. Ah, l'accent, il part pas. Hein, ouais. Il aurait fallu que je parte plus tôt, mais enfin, ça reste, mais bon, c'est pas... Vous êtes, donc je l'ai dit, vous faites partie de la Société française de neurologie. Vous avez organisé aussi un festival de musique en Corse. Oui. Qui existe encore. Hein. J'ai la chance d'avoir des amis corses, et donc notamment un ami qui est neurochirurgien à Marseille et qui était maire d'un village en Corse, et il m'a demandé de l'aider pour monter un festival de musique classique, donc qui existe toujours. Bon, c'est moins ambitieux. Au début, il y avait 5 soirées. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Mais donc, je l'ai aidé comme j'ai pu. Puis ça a bien marché. On a eu de très belles soirées. Et puis bon, on a bien mangé aussi. Hein. Comme tout à l'heure. C'est comme important tout à l'heure. Aussi. Hein. C'est important aussi. Alors, donc, tout votre travail de recherche porte sur ce rapprochement entre le cerveau et les arts. En fait, vous êtes plus axé sur la musique, mais vous avez, d'ailleurs on va le voir, hein, vous êtes intéressé aux autres arts aussi. Vous avez signé plusieurs livres sur ces thèmes. Alors il y a Sérénade pour un cerveau, paru en 2009, Portrait du cerveau en artiste, paru en 2012, L'empathie esthétique entre Mozart et Michel-Ange, paru en 2015, et ils sont tous parus chez Odile Jacob, hein, aux éditions Odile Jacob, et plus récemment L'art qui guérit, paru chez Azan en 2020 avec une préface signée Boris Cyrulnik. Vous nous invitez dans ce livre. Alors, c'est ce livre-là. Alors, absolument magnifique, les illustrations, le travail d'iconographie est magnifique. Vous nous invitez dans ce livre à visiter votre musée imaginaire depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, à travers des chefs-d'œuvre de Michel-Ange, Jérôme Bosch, Gustave Courbet, Nikita Saint-Phal, pour ne citer qu'eux, hein, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. L'art indispensable, dites-vous, à notre vie et à notre santé. Alors, je reviens à Boris Cyrulnik, parce que vous avez partagé pas mal de choses avec lui. Ben, oui, quand j'étais... interne des hôpitaux à Marseille. J'ai habité pendant quelques années dans l'hôpital. Donc, il y a la fac aussi. Donc, je suis inscrit à tout un tas de diplômes. C'est comme ça que je suis intéressé à la médecine chinoise. J'ai aussi fait de la sexologie. Dit la sexologie. C'est pourtant, on sait à quel point c'est important. Alors, donc, en sexologie, Boris Cyrulnik donnait des cours, je vous rassure, pas de Kama Sutra, mais sur l'attachement, quoi. Bon. Ouais. Puis vous, si vous avez eu la chance de l'entendre, on est conquis tout de suite. Donc, ouais. Bon, à l'époque, il n'était pas encore connu, mais il était déjà fantastique. Donc, je suis un peu venu sur Toulon. Je suis installé sur Toulon dans le but de garder le contact, de le retrouver. Donc, il m'a coopté pour son groupe de recherche sur vieillissement et résilience en me demandant de faire la musique, quoi. Musique, vieillissement, résilience. Donc, on s'est mis à faire écouter de la musique à des personnes âgées, à des Alzheimer. À l'époque, on passait pour des farfelus. Puis aujourd'hui, c'est très connu, quoi. C'est une voie d'accès aux Alzheimer. Donc, c'est très intéressant. Et après, d'où après les arts visuels. Et puis, je participe et il donne donc des cours d'éthologie. Ça se fait sur 2 années.
années à la fac de Toudon-Lagarde. Donc, il m'a coopté là aussi parce que... C'est marrant quand on parle d'éthologie, pardon, oui. Juste un instant. On pense tout de suite comportement des animaux. Oui, oui, on pense pas au comportement des humains, mais nous sommes des animaux. Ben, on a Claude Beata, que vous connaissez bien maintenant, qui vient de sortir un beau livre sur les chats, là, qui marche fort. Donc, lui, il fait l'éthologie animale. Boris s'intéresse surtout à l'attachement. C'est un attachementiste. Donc c'est... Et puis, on a le professeur Delage qui nous parle aussi de psychiatrie systémique, de choses comme ça. Donc, on ne s'ennuie pas. Alors, donc, vous avez travaillé avec Boris Cyrulnik, entre autres au sein du groupe Vieillissement et Résilience. Vous lui dédiez votre livre le plus récent, hein, celui qui vient de sortir, Les pouvoirs de la musique sur le cerveau des enfants et des adultes, qui vient d'être édité chez Odile Jacob en 2021 et qui sera aussi le sujet de cette conférence. J'ai oublié de dire aussi que vous êtes, et vous y tenez beaucoup, je crois, président d'une association qui s'intitule L'incitation à la beauté. L'invitation à la beauté. Hommage à Baudelaire. Voilà. Oui, alors c'est... Si vous voulez, quand ça s'est trouvé un petit peu un alignement de planètes, vous voyez. Donc, c'est une psychologue qui est sur Lyon, qui s'appelle Laure Mailloux, qui a inventé un peu ce qu'on appelle les prescriptions culturelles. Vous voyez, pourquoi donner que des médicaments? Enfin, le terme déplaît à certains, mais bon, c'est joli, quoi. Un livre, un film, ça, une musique, ça peut vous sauver, ça peut vous faire du bien, et puis il y a moins d'effets secondaires qu'avec la plupart des médicaments, quoi. Donc, elle a eu l'idée, et puis elle m'a demandé donc de travailler avec elle, donc de faire des expositions. On a eu l'aval, hein, quand même, du doyen de Lyon Sud, d'un chef de service, d'un directeur d'hôpital. Donc, on a fait une exposition des artistes lyonnais, hein, qui nous ont prêté des œuvres. Exposition dans un service de médecine interne. Donc, les patients venaient voir l'exposition. Et s'il y avait un tableau qui leur plaisait, bon, on l'accrochait dans leur chambre. Donc, ils avaient un ami. Et donc, la psychologue a bien étudié tout ce qui se passait. C'était merveilleux. Au lieu de parler de la douleur, des perfusions, ils parlaient de l'ami, du tableau qui était dans la chambre. Ils en parlaient avec les infirmières. Et pour les infirmières, ça changeait aussi tout le travail, quoi. On a vu des infirmières qui revenaient après leur travail pour rediscuter du tableau avec les patients. Et les patients, pour la plupart, ne seraient jamais allés au musée. Pour eux, c'était quelque chose qui ne les concernait pas. Enfin, donc après, évidemment, ils y sont allés. Ils ont fréquenté les artothèques. Donc, ça a été une très belle expérience. Et donc, maintenant, on continue dans un service pour enfants, service de soins palliatifs. C'est quelque chose qui se développe bien. Et normalement, j'ose pas vous le dire, parce qu'on n'a pas le droit de le dire avant demain, mais l'année prochaine... On est demain. On aura un enseignement, quoi, un diplôme universitaire de prescription culturelle. Voilà, sur Lyon. Et vous êtes soutenu aussi par l'OMS et l'UNESCO. L'OMS et l'UNESCO nous soutiennent, parce que dans l'histoire de l'art qui guérit, si vous voulez, en même temps, il y a l'OMS qui a sorti un énorme travail, 900 articles médicaux, qui montrent justement que l'art peut nous aider dans la santé. Alors, pour prévenir les maladies, mais aussi quand on est malade, ça peut nous faire beaucoup de bien. Donc cet article de l'OMS, les expériences qu'on a pu mener à Lyon, enfin, tout est aligné pour que l'art qui guérit apparaisse et puis qu'on en parle, parce qu'on en parle de plus en plus maintenant. C'est une bonne chose. Alors, on reviendra peut-être tout à l'heure sur le contenu du livre, parce que vous n'avez pas tout nous raconter ce soir, hein, de toute façon. Hein. Et puis, vous pourrez aller signer ce livre, puisque la librairie Le Fayeur est installée à l'étage au-dessus. Et puis, discuter, les gens pourront venir discuter avec vous. Donc, pour le moment, eh bien, vous allez nous persuader des pouvoirs de la musique sur notre cerveau. Et franchement, moi, je trouve que donner le pouvoir aux arts et à la musique, ben, c'est une formidable idée. Merci d'être avec nous ce soir. Bonne soirée à tous. Mille merci à vous, hein. Merci pour votre accueil. Alors, les pouvoirs de la musique sur le cerveau, ça, on en parle beaucoup, on a trouvé plein de choses. Vous imaginez, ça développe le langage. Hein. Quand vous allez dans un autre pays ou si vous venez au monde, vous écoutez déjà la musique du langage. Et puis après, vous apprenez à parler, on va du son au sens, ça développe la mémoire, ça développe toutes les capacités intellectuelles. Et on peut dire que la musique sculpte et caresse notre cerveau, parce que dans notre cerveau, on a tout ce qu'on appelle le système du plaisir et de la récompense sur laquelle la musique agit, et puis il y a un côté chimique. Alors, je vais vous détailler un petit peu tout ça, mais je voudrais surtout insister sur quelque chose qui pour l'instant est un peu novateur. Et puis donc voilà, donc j'ai trouvé ce titre Musico Ergo Sum. Vous voyez, vous connaissez tous Cogito Ergo Sum, je pense donc je suis. Ben, je pense que
Je suis dans la musique, donc je suis encore plus fort. J'ai essayé de vous le démontrer. Alors, voilà. La la la, la la la. La la la, la la. Voilà, là vous l'avez dans la tête, vous n'avez pas fini. Hein. Vous en avez des jours avant que ça sorte. Hein. Bon. Alors, Einstein, vous voyez, il a parlé très tard. On pensait qu'il était attardé, donc on se demandait. Puis après, bon, on a su que ce n'était pas le cas. Mais on était inquiet. On lui disait, mais comment vous faisiez pour penser quand vous ne parliez pas? Mais il disait, mais je pensais en musique toute ma vie. J'ai pensé en musique. Vous voyez, c'était un bon violoniste. Alors, Einstein, c'était ça. Puis il y avait Schopenhauer. Schopenhauer, il allait encore beaucoup plus loin. Vous savez, Schopenhauer, il jouait de la flûte de 2 heures par jour. Et donc, il fait son grand livre, Le monde comme volonté et comme représentation. Alors, je ne sais pas ce qu'il avait pris quand il a dit ça, mais on aimerait bien prendre la même chose. Il nous dit, la musique qui va au-delà des idées pourra en quelque sorte continuer à exister, alors que même l'univers n'existerait pas, vous voyez. Et puis, il va encore plus loin. En conséquence, le monde pourrait être appelé une incarnation de la musique, tout aussi bien qu'une incarnation de la volonté. Vous voyez, s'il y a des musiciens ici, même tous, nous sommes une incarnation de la musique. C'est quand même beau, hein, ça, c'est une belle idée, c'est une belle philosophie. Enfin, voilà. Alors, vous savez, dans toutes les cultures, c'est souvent un son, une musique qui génère le mythe, la création. On a Shiva avec son tambourin, nous, le Big Bang, c'est quand même un son. Tout n'est qu'onde, que vibration. Et regardez ce qui se passe dans le ventre d'une maman dès la 20e semaine. Alors normalement, dans un petit bébé, qui écoute, voilà. Donc ça nous vient de l'Institut Marquès à Barcelone. Donc c'est des échographies de bébés, de fœtus, à qui on fait entendre du Mozart, vous voyez. Et vous voyez, qu'est-ce qu'ils font? Dès la 20e semaine, ils entendent du Mozart, ils ouvrent la bouche, comme s'ils voulaient chanter, vous voyez. Donc peut-être qu'on l'interprète, mais enfin c'est comme ça. Vous faites entendre du Mozart à un fœtus dans le ventre de la mère. Dès la 20e semaine, on pensait qu'il était encore sourd. Il ouvre la bouche comme s'il voulait chanter. Voilà. Donc, je vous propose un petit syllogisme. D'accord? Vous êtes prêts? Alors, je vais vous donner 2 assertions. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec. Alors, première proposition, la pensée... La parole, c'est de la pensée incarnée, d'accord? Donc vous êtes en train de penser, pof, vous vous mettez à parler, vous dites ce que vous aviez en tête, c'est votre pensée qui s'incarne via la parole. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça vous paraît clair? Vous êtes d'accord? Puisque la parole, vous savez, notre voix, elle est unique. Elle est aussi unique que nos empreintes digitales ou que la couleur de nos yeux. Donc il n'y a pas deux voix depuis l'aube de l'humanité qui soient les mêmes. C'est vraiment nous. Donc quand on parle... C'est nous, donc on se projette, vous voyez, si on est en colère, on parle fort parce qu'on veut remplir toute la pièce, si on est triste ou timide, on parle tout doucement parce qu'on veut tenir le moins de place possible. Donc tout le monde est d'accord pour cette assertion, ça va, c'est clair. Alors deuxième assertion, la musique est en amont du langage, vous voyez, le bébé, il va chanter avant de parler. Si vous allez en pays étranger, vous allez vous intéresser à la musique d'une langue avant de comprendre ce qu'elle veut dire. Vous voyez, il y a même des gens qui arrivent à parler, on dit ça un peu, ils parlent comme s'ils parlaient une autre langue, ça ressemble à une autre langue, mais c'est pas l'autre langue. Vous voyez. Et puis dans l'homme préhistorique, il chantait avant de parler. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? La musique est en amont du langage. D'accord? Donc la parole de la pensée incarnée, la musique en amont du langage, donc la musique est plus proche de la pensée. Vous êtes d'accord? Bon, alors je n'ai pas besoin de faire le topo. Enfin, voilà, j'essaie de vous démontrer ça. D'accord? On va essayer comme ça. Donc du coup, grandir, vivre en musique permet de s'épanouir, de mieux penser. Et musicoer cosum. Alors Glenn Gould, vous savez, le pianiste canadien, il disait que pour apprendre à jouer du piano, il fallait une demi-heure avec une bonne concentration. Moi, je vais vous apprendre la neurologie en 5 minutes. D'accord? Avec une... Alors, bon, on disait déjà qu'il y avait 3 cerveaux, sans fin de trop, on va en garder que 2. Vous voyez. Notre cerveau, d'une part, il capte les informations qui arrivent par tous nos sens, il les compare à ce qu'on a en mémoire, et puis avec notre beau lobe frontal, là, qui s'est bien développé, il nous dit ce qu'il faut faire pour rester en vie. D'accord? Donc ça, on peut dire que c'est le cerveau qui est dédié à Apollon. Mais c'est le cerveau, on capte des informations, il faut rester en vie, mais ce n'est pas très amusant, ça. Si on n'avait que ça, un ordinateur, il pourrait faire la même chose, d'accord? Donc celui-là, il nous dit ce qu'il faut faire
pour rester en vie. Puis heureusement, dans les profondeurs de notre cerveau, on a un autre qui est dédié à Dionysos. C'est ce qu'on appelle le système du plaisir et de la récompense. Alors lui, il nous inonde le cerveau de bonnes substances, de chimie, de dopamine et tout. Et lui, il nous donne envie de vivre. Vous voyez, donc il y en a un qui nous dit ce qu'il faut faire pour rester en vie, l'autre ce qu'il faut faire qui nous donne envie de vivre. Et les deux ne sont pas d'accord, ils ne sont jamais d'accord. C'est pour ça que vous voyez tous les jours des gens très intelligents qui font des bêtises, etc. Bon, on ne donnera pas d'exemple. Voilà. Et puis en avant, on a un gendarme qui est là, qui surveille que Dionysos ne prenne pas le pas sur Apollon. Vous voyez. Voilà, donc une partie de notre cerveau dédiée à la raison, une partie dédiée au plaisir. Et il faut qu'on arrive à vivre avec ça. Ils ne sont pas tout à fait d'accord. Alors vous pouvez décider, comme on vient de le faire tout de suite au restaurant, d'avoir du plaisir raisonnable. Plaisir raisonnable, c'est l'épicurisme. C'est une bonne façon de passer sa vie. Vous voyez, c'est pas. Mais on peut aller plus loin. On peut avoir du plaisir dans la raison. Plaisir dans les bons raisonnements. Alors ça, pour les Grecs, pour les philosophes, ils appellent ça le démonisme. On peut mettre un mot plus simple, on peut dire c'est la recherche du bonheur, le plaisir dans la raison. Le démonisme, vous voyez, c'est un mot, si vous avez fait un peu du grec, vous voyez, il y a le « e » qui veut dire que c'est bien, et puis un démon, un bon démon. Pourquoi on a été chercher ce mot pour la recherche du bonheur? Ben parce qu'on nous dit que Socrate, il avait un démon avec lequel il parlait sans arrêt. Il parlait avec son démon et il discutait. C'est pour ça que quand Platon raconte la philosophie de Socrate, c'est toujours des dialogues. Oui. Donc on dialogue avec son démon. Alors je voudrais savoir si vous avez un démon dans la tête. On va faire une petite expérience. Vous êtes prêts? Lisez attentivement cette phrase. Ça y est, vous l'avez lu? Eh bien, c'est la déclaration d'indépendance des États-Unis hein, qui lorgne un peu sur la nôtre et sur celle de Pascal Paoli. Ça, c'est bien, si vous allez en Corse, il faut dire ça à chaque fois. Voilà. Alors, on n'a rien entendu. Vous voyez, vous avez tous pensé en lisant cette phrase, on n'a pas entendu une mouche qui volait. Vous voyez, c'est pas. Pourtant, vous avez entendu cette phrase dans votre tête. Qu'est-ce que vous avez entendu comme voix? Est-ce que vous avez entendu la vôtre? La mienne, celle de Benjamin Franklin, quelle voix vous aviez dans la tête en lisant? On refait un essai. Alors, quelle voix vous avez eue dans la tête, là? Pas la mienne, quand même. C'est celle d'Alain Robbe-Grillet. C'est Alain Robbe-Grillet qui a écrit ça. Donc, le nouveau roman, pour la voix intérieure, ouais, ça, ils ont beaucoup... Enfin, c'est vraiment l'apanage. Alors, au cinéma, ça a été beaucoup utilisé, cette voix intérieure. Le premier qu'il a utilisé, c'est Hitchcock. Dès le premier film parlant, il fait une voix intérieure avec un juré, c'est compliqué, il se demande si la présumée coupable est coupable ou pas. Mais il a refait ça 10 fois mieux dans Psychose. Vous vous souvenez, dans Psychose, donc c'est l'assassin, il se prend pour sa mère, qu'il a empaillé, il va tuer des... Après, vous ne pouvez plus prendre la douche quand vous êtes dans un hôtel. Et à la fin, l'assassin, il est capturé par la police et on entend la voix de sa mère dans sa tête. Il pense avec la voix de sa mère. When a mother has to speak the words that condemn her own son, but I couldn't allow them to believe that I would commit murder. They'll put him away now. Voilà. Donc, je ne fais pas des extraits trop longs parce qu'on n'a pas le droit. Alors, il y en a un autre qui parle beaucoup tout le temps, c'est Woody Allen. C'est Woody Allen, il parle tout le temps. Et dans Annie Hall, par exemple, il peut être dans une file d'attente pour aller à l'opéra ou au ciné, il continue. We saw the Fellini film last Tuesday. Il parle tout le temps dans sa tête. Il y en a un autre, c'est Mel Gibson. Lui, il a de la chance dans un film. Hein. Il entend ce que pensent les femmes, vous voyez. Si Woody Allen avait eu ce don, ça l'aurait peut-être évité quelques ennuis. Mais enfin, bon, il y en a qui entendent des voix, il y a tout un tas de choses. Nouvelle expérience. Vous êtes prêts? Essayez d'apprendre par cœur ce numéro de téléphone. Voilà, ça peut toujours être utile. Hein, c'est le numéro de téléphone des éditions Odile Jacob. Alors, si on vous a mis des petites électrodes, comme ça, sur le visage, on aurait vu que vous bougez un peu. Oui. Quand vous essayez d'apprendre le numéro de téléphone, vous avez un peu bougé la langue, un peu bougé les muscles du visage. Oui. C'est pas, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on arrive à lire dans sa tête.
Vous avez dans les confessions de saint Augustin, 400 après Jésus-Christ, il est surpris de voir saint Ambroise qui lit la Bible sans parler. Oui, donc il l'écrit, je suis surpris. Ses yeux couraient sur les pages, son esprit percevait le sens, mais sa voix et sa langue se reposaient. Vous voyez, donc le fait de lire en silence, c'est pas si récent que ça. Alors, si vous avez des enfants à la maison, vous avez constaté qu'ils parlent tout le temps. Ils se parlent à eux-mêmes, sans arrêt. Alors, ce n'est pas du tout un signe de psychose, hein, c'est un signe qu'ils vont bien, au contraire. Mais les enfants, ils se parlent sans arrêt. Les adultes, moins. Ou alors, il y en a qui le font dans la salle de bain. Écoutez bien, si les adultes qui sont autour de chez vous, quand ils se croient tout seuls, il y en a beaucoup qui parlent un peu. Hein. Mais les enfants, ils parlent tout le temps. Alors, il y a des savants qui ont essayé d'étudier ce... Pourquoi les enfants, ils parlent tout le temps? Jean Piaget, qui a tellement fait pour les enfants, il est passé à côté. Ça l'a pas beaucoup intéressé. Il a signalé le fait, mais il a dit aux enfants, ils parlent comme ça, ils s'entraînent, c'est un proto-langage, il s'est pas intéressé au phénomène. Alors, les premiers qui se sont intéressés, c'est ce qu'on appelle les behavioristes. Vous voyez, c'est les Américains qui étaient spécialistes du comportement. C'était pas des éthologues, hein, ils faisaient le comportement, mais c'était très simple, une cause, un effet. Et donc, ils ont dit, quand on se parle à soi-même, ou les enfants, quand ils se parlent à eux-mêmes, ils nous disent, c'est quand on peut pas s'en sortir autrement. C'est vrai que si on est devant une difficulté, on va avoir tendance à se parler à soi-même, quoi, comme si on parlait avec quelqu'un d'autre. Et puis, son élève, très connu, c'est Skinner Burrus. Alors, Skinner Burrus, il s'intéressait aux travaux de Pavlov. Vous savez, c'est le chien, vous lui amenez à manger, vous faites sonner la cloche, il salive, le chien. Après, vous faites sonner la cloche sans amener à manger, le chien, il salive quand même, vous voyez. Mais Skinner Burrus, il a continué, et s'est aperçu que si vous continuez à faire sonner la cloche sans rien amener au chien, après, il ne salive plus, qu'au bout d'un moment, il en a marre, quoi. Donc, il faut amener, une fois de temps en temps, à manger. Pas tout le temps, mais une fois de temps en temps. Alors ça, c'est beaucoup utilisé, oui, dans les séries télé, même les conférences. Il faut que ce soit bien une fois de temps en temps, comme ça, après. Ça... Ouais. Alors, il s'intéressait, donc, il a trouvé une petite fille, on va dire qu'elle s'appelle Élise. Et puis cette petite Élise, elle apprend sa leçon de piano et il a noté tout ce qu'elle disait en apprenant sa leçon de piano. Alors, est-ce que j'ai une petite Élise dans la salle? Elle est là, la petite Élise? Parfait. Alors voilà comment ça s'est passé. Nous avons une petite Élise. Après quelques minutes, elle fait une erreur. Non, attends. Elle joue sans erreur et termine le morceau. Ah. Elle joue quelques mesures d'une nouvelle pièce. Voyons, est-ce bon? Je joue encore une fois. Elle le termine. Ah, maintenant je peux étudier autre chose. Elle cherche un autre morceau. C'est écrit en clé de sol. Elle joue et chante en même temps. Elle finit et regarde l'horloge. Ça prend une minute pour jouer toute la chanson. Elle commence un autre morceau et fait une erreur. Bon, très bien, maintenant je le joue en entier. Elle commet une nouvelle erreur. Je dois recommencer. Le morceau est difficile, elle s'applique en poussant des bons sens et place ses doigts sur les bonnes notes. Oh, mes doigts, c'est si difficile, mais je vais y arriver. Elle appuie fort sur les touches avec ses doigts en les regardant, elle regarde l'heure. Ah, il ne me reste plus beaucoup de temps pour le reste. Merci Élise, je crois qu'il faut remercier Élise. Alors, vous voyez comment la petite Élise, avec ses paroles, elle arrive à mieux jouer. Elle se stimule, il faut que je joue mieux, il faut qu'elle se donne du courage et tout, donc c'est très important. Alors en fait, celui qui s'est intéressé le premier au phénomène, c'est Vygotsky. Vygotsky, c'est un Russe, c'est l'inventeur de la psychologie en Russie. Il est mort à 36 ans, mais c'est lui, alors lui, il s'est intéressé à ça. Ça a donné un pavé qui s'appelle « Pensée et langage », ça fait 700-800 pages, qui a été traduit en dehors du russe en 1970, quand même, 35 ans après, vous voyez. Et devinez qui a fait la préface de son livre? Jean Piaget, qui a reconnu son erreur et qui a reconnu la grandeur de Vygotsky quand il étudie comme ça ce langage intérieur. Donc vous l'avez vu, c'est un processus développemental crucial. Vos enfants qui parlent, c'est une bonne chose. Plus ils parlent, plus ils évolueront vite, vous voyez, c'est une bonne chose. Alors évidemment... On revient un peu chez Socrate. L'enfant, il se parle à lui-même, donc c'est comme s'il était deux. Ça le prépare à la communauté, vivre en communauté, ça le stimule.
Et ça agit sur les deux côtés de notre cerveau. Ça agit sur le côté purement intellectuel et sur le plan émotionnel et social. Ça va lui développer l'intellect, la mémoire, le langage, la concentration, les prises de décision. Ça va lui permettre également d'apprendre à connaître les émotions, à les contrôler. Et puis des activités bien plus importantes. Ça va l'apprendre à avoir conscience qu'il existe. Ça va apprendre l'introspection. Ça va l'apprendre à essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des autres. Donc, si vous voulez, ça va lui apprendre à devenir un penseur, quoi, à penser. Vous voyez, s'il n'y avait pas eu cette phase de discours oral, peut-être qu'il n'aurait jamais pensé. Voilà, donc on revient au démon de Socrate. Donc, Vygotsky nous dit ça. L'expérience subjective du discours prend la forme d'un dialogue interne constructif permettant d'envisager différents points de vue, comme lors d'une discussion avec d'autres protagonistes. Alors, comment ça s'étudie, notre voix comme ça intérieure ? C'est pas compliqué. On ouvre un petit alarme, et puis quand l'alarme sonne, hop, vous devez écrire sur un papier ce à quoi vous étiez en train de penser. Vous voyez, c'est pas. Il faut le faire tout de suite, parce que sinon, ça se dénature. Vous voyez, donc, alors, c'est pas trop compliqué à faire. En moyenne, 25% du temps de votre vie éveillé, vous êtes en train de penser. Il y a des gens, c'est zéro, il y en a d'autres, c'est 100%, mais la moyenne, c'est 25%, vous voyez. Donc, et ça commence à 18 mois, voilà. Alors, nos enfants, comme ça, ça, et puis quand ça s'internalise, comme ça, quand on parle plus à voix haute, mais que ça se passe dans notre cerveau, eh ben, ça devient de la pensée. Voilà comment nos enfants deviennent de vrais penseurs. Mais surtout, ça va leur permettre de développer quelque chose de très important qui s'appelle la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est essayer de comprendre ce à quoi pensent les autres. Vous voyez, là, on est en train d'interagir. J'essaye de savoir dans quel état vous êtes, à la fois sur le plan de la compréhension et puis sur le plan émotionnel. Vous voyez, il y en a pour les deux. Il y en a pour Dionysos et il y en a pour Apollon. Alors, maintenant, c'était une théorie et maintenant, c'est des systèmes neuronaux qu'on connaît bien. Vous voyez, c'est plus du tout une théorie, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Alors, si ça vous paraît brumeux, je vais vous présenter un petit extrait de Quai des Brumes qui va vous expliquer un peu tout ça. Michel Morgan, Jean Gabin. T'as de bons yeux, tu sais. Embrassez-moi. Voilà. Alors, théorie de l'esprit, stade 0. Jean Gabin pense, j'ai envie d'embrasser Michel Morgan. Stade 1, Michel Morgan pense, Jean Gabin a envie de m'embrasser. Stade 3, Jean Gabin pense, Michel Morgan pense que Jean Gabin a envie d'embrasser. Vous voyez, c'est pas. Donc ça, c'est quelque chose en cascade. Ah oui, au départ, Jean Gabin, il va pas dire, il a peur de se prendre un râteau, donc il va pas dire, j'ai envie de t'embrasser. Il dit, t'as de beaux yeux, tu sais. Et Michel Morgan, elle comprend parfaitement qu'il pense à autre chose. Il dit, t'as de beaux yeux, tu sais, mais sa pensée, c'est, je veux t'embrasser. Donc elle lui dit, embrasse-moi. Elle a compris tout ce qu'il voulait dire. Vous voyez, c'est passé par le regard, etc. Donc, théorie de l'esprit fondamentale. Fondamental, et c'est un atout extrêmement important, vous voyez. Donc retenez bien, mettez-le dans votre jeu de cartes, parce qu'il va vous servir deux fois dans cet exposé. Théorie de l'esprit, deux fois. Vous le sortirez au bon moment, d'accord ? Alors, une fois que ça s'internalise, une fois que l'enfant il se met à penser avec des phrases, mais le discours intérieur, quand vous pensez, vous ne faites pas des phrases. Vous n'allez pas faire des phrases comme quand vous parlez à quelqu'un d'autre. Ça s'abrège, vous voyez. Des mots, des segments de phrases disparaissent, se condensent comme un symbole sans altérer le sens ni la qualité, vous voyez. J'enlève ce qui ne sert à rien, vous voyez, c'est beaucoup plus court, il n'y a que quelques mots. Et puis, on peut aller encore plus loin, vous voyez, par exemple, un musicien, si vous dites C7, au lieu de voir tout l'accord, do, mi, sol, si bémol, C7, ça suffit. Il a l'accord en tête, il l'entend. Vous voyez. Donc, il gagne du temps parce que c'est un symbole. Si je vous dis « À la recherche du temps perdu », derrière ce titre de livre, il y a tout ce que vous savez sur « La recherche du temps perdu » qui est dedans. Vous voyez, tout est dedans. Je vous dis un mot, un titre de livre, le livre entier, il est chez vous, dans votre tête. Proust, quand il mange sa madeleine, il a les 2000 pages de « La recherche du temps perdu » qui sont dans la madeleine. Vous voyez comment on gagne du temps. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite. C'est comme ça, la pensée. Mozart, quand il a un morceau en tête, il l'a dit, et il le voit comme un tableau. C'est plus quelque chose qui se déroule dans le temps. Il a tout dans la tête, en même temps. Vous voyez, c'est pas. Donc, on gagne un temps fou, vous voyez. Donc, les informations, vous voyez, disparaissent pour éviter toute redondance. Seules les plus pertinentes persistent, subsistent. Alors, qui va trouver le mot ? Vous vous souvenez de ce qu'on a dit au départ. Donc, imaginez une pensée débarrassée du carcan du langage, constituée uniquement avec du sens, la signification voit le jour, comme dans un rêve, puissante et rapide, en un mot, bravo, en un mot musical. Voilà. Vous voyez, donc, c'est un peu
ce qu'on voulait démontrer au départ, la musique forme subtile ou ultime de pensée sans langage articulé. Donc on revient à notre équation initiale, la parole, la pensée incarnée, la musique en amont du langage, donc plus proche de la pensée. Alors, les musiciens pensent en musique. Vous savez, les sourds-muets, ils pensent avec le langage des signes. Mais les musiciens, ils pensent en musique. Alors, on pense toujours au même, on pense toujours à Beethoven, qui était sourd. Mais il y a un autre grand sourd dans l'histoire de la musique, c'est Smetana. Vous savez, Smetana, donc il est moldave. Il y a 6 mois, personne ne savait où était la Moldavie. Il y a 1 an, maintenant, tout le monde le sait. Donc, il est moldave, mais il a aussi la syphilis. Donc, il a une syphilis qui lui a rongé le cerveau, les oreilles. Et il est devenu sourd à cause de sa syphilis. Mais il veut faire un beau morceau sur son pays et sur le fleuve, la Moldao, qui sillonne la Moldavie. Et il va composer un des plus beaux morceaux de la musique classique en étant complètement sourd. Voilà ce que ça donne. Vous l'entendez, le fleuve qui arrive. Il coule. Bien sûr, Beethoven qui n'a jamais été aussi bon que quand il était sourd. Plus il est sourd, meilleur il est. Alors il y a des gens qui chipotent, ils disent mais dans les dernières sonates, il s'est trompé. Non, il faut jouer ce qu'il y a décrit sur la partition parce qu'il l'entendait parfaitement dans sa tête. Il était débarrassé de tous les bruits extérieurs, il était au summum. Et puis on a montré que quand on imagine avoir une musique dans la tête, notre cerveau fonctionne comme si on l'entendait pour de bon. Vous voyez, donc Beethoven entendait parfaitement ce qu'il avait dans la tête. Et vous ? Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains with. Vous l'entendez? Vous entendez la suite dans votre tête? The sound of silence, vous voyez, je peux couper le disque qui continue de circuler dans votre tête, vous voyez. Il y avait Rubinstein, il disait que quand il avait une musique dans la tête, s'il était dérangé par un coup de fil, il répondait au correspondant, il raccrochait, et la musique en était à l'endroit où elle devrait être s'il n'avait pas eu le coup de fil. Vous voyez, ça reprenait, donc ça avait continué. Alors, il y a un musicien normalien qui s'appelle Guillaume Marion et qui a démontré ça de manière exceptionnelle. Son article, maintenant, il a à peu près 18 mois, c'est paru dans une revue de neurologie qui s'appelle Brain. Donc, il a fait ça, The Music of Silence, vous voyez. Alors, il est parti d'un constat qui avait été montré plus tôt. Vous voyez, quand vous entendez une musique, vous commencez, évidemment, c'est votre cerveau derrière les oreilles qui s'active, et puis tout de suite, votre lobe frontal, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, le cours de neurologie accélérée, vous entendez de la musique, tout de suite, votre lobe frontal, il est prêt à réagir. C'est pas pour rien que dans le lobe frontal, on a la mémoire à court terme. Pour avoir du plaisir en musique, il faut se souvenir un peu de ce qu'on vient d'entendre et on anticipe sur ce qui va arriver. Et soit le compositeur il nous donne ce qu'on attend, on est content, mais s'il fait ça tout le temps, on s'ennuie. Soit il nous propose un accord nouveau, et là on est content, mais s'il fait ça tout le temps, on s'angoisse. Donc c'est comme les berceuses maternelles, vous voyez. Donc avec sa trie, Beethoven, dans la lettre à Elise, on sent qu'il va arriver quelque chose. Voilà, ça arrive, oui, ça. Donc notre lobe frontal, il est content. Alors il est parti de ça, vous voyez cet effet de surprise que nous donne le compositeur. Donc il fait entendre des cantates de Bach, il y a 4 cantates différentes à des sujets qui vont donc écouter ces cantates de Bach, et il s'aperçoit chaque fois
que Bach nous joue un petit tour, nous fait un effet de surprise, il a un pic positif. Vous voyez, chaque fois que le bon Jean-Sébastien nous trouve un accord qui nous plaît, quelque chose comme ça, pense. C'est Adèle qui monte d'un octave ou quelque chose comme ça. Et donc, effet de surprise. Donc, ces sujets apprennent ces quatre cantates de Bach par cœur et ils repèrent chaque fois où il y a l'effet de surprise. Une fois qu'ils connaissent bien la cantate, ils leur demandent d'imaginer la cantate cette fois. Et ils leur laissent les électrodes. Alors, vous savez, c'est un morceau qu'ils connaissent, il n'y aura pas de surprise. Eh bien, détrompez-vous, on n'a pas un pic positif ou on a un pic négatif. Ce qui fait que sans aucune erreur, il peut dire au patient ce qu'il a écouté, ce qu'il a imaginé comme cantate de Bach. Parmi les quatre cantates, il sait à laquelle il a pensé, oui, en écoutant. Oui. Donc c'est vraiment the music of silence. Alors là, il nous faudrait quand même un musicien qui est aussi un poète, Robert Schumann. Alors Robert Schumann, lui aussi, il avait la syphilis et sur la fin de sa vie, il avait des hallucinations auditives. Vous savez qu'à la fin, alors au début, Clara Schumann, son épouse, a bien décrit. Au début, c'était très agréable, ces hallucinations. Donc il a essayé de les retranscrire en musique. Et, oui, on les entend dans le fond parce que c'est la musique des fantômes, il avait appelé ça. Alors au début, c'est très beau. Puis après, sa maladie a progressé et il entendait des voix horribles. Donc il a fallu, il s'est suicidé, il s'est jeté dans le Rhin. Et puis après, on a dû l'interner, quoi, si vous voulez. C'est pas... Mais les musiques qu'il entendait dans sa tête, ça fonctionnait comme s'il les entendait pour de bon, quoi. Il y a juste ça qu'on a pu nous donner. J'ai un ami qui était ambassadeur du Luxembourg en Allemagne et qui est pianiste aussi. Donc il a été à l'endroit où Schumann était interné, c'était tenu par des sœurs, il a tout fouillé, il a vu qu'il y avait des partitions. J'espère qu'un jour, on pourra les découvrir, savoir un peu si nous a donné encore quelques chefs-d'œuvre sur la fin. Puis vous savez, Schumann, c'est super pour un neurologue ou un psychiatre, parce qu'il était aussi bipolaire, il était maniaco-dépressif. Donc quand il était maniaque, en phase maniaque, il s'appelait Florestan. Vous voyez, donc il est plein d'idées, il jouait très vite. Et quand il était triste, il se faisait appeler Eusebius. Eusebius, le triste, je sais comment. Donc ça se ressent dans ses morceaux. Quand il est en phase maniaque, vous voyez, il donne des indications. Aussi vite que possible, Nordschneller encore plus vite. Mais il avait trouvé un traitement pour ses accès maniaques. Il n'y avait pas le lithium, il n'y avait pas les régulateurs d'humeur. Qu'est-ce qu'il faisait ? Ben, il jouait du Bach. Clavecin bien tempéré, rien de mieux que pour vous faire passer un accès maniaque. Voilà. Et puis, vous savez, on parle toujours de Clara Schumann, mais on se souvient moins que Robert Schumann, quand il est tombé amoureux de Clara Schumann, elle avait 7 ans, et lui, il en avait 17. Vous voyez, c'était la fille de son prof de musique, et le prof, lui, il l'a un peu écarté, en attendant qu'il prenne un peu plus d'âge. Vous voyez, c'est pas. Puis, il avait un peu peur, il était quand même un peu fou, donc il attendait que son élève prenne la maturité pour lui laisser sa fille. Et Clara Schumann, c'était un prodige, comme Mozart. À 8 ans, elle jouait avec les plus grands, elle a fait des tournées dans toute l'Europe. Donc il a attendu pour l'épouser. Et notamment, il lui a écrit, peu avant leur mariage, une grande humoresque. Alors humoresque, c'est pas humour, c'est les humeurs, quoi, les humeurs qui sont mélangées, etc. Et dedans, il y a toutes ses phases, quand il est excité, quand il est triste, et il a tout mis dedans. Et il lui a envoyé, c'était un beau cadeau. Alors, je voudrais attirer votre attention sur le deuxième mouvement. Vous voyez le nom déjà, Hastig, avec précipitation. Donc on sent qu'il est un peu en phase maniaque. À tel point, vous voyez, s'il y a des musiciens parmi vous, il y a trois portées. Vous avez déjà joué un morceau de piano avec trois portées, c'est assez rare. Hein. Vous avez une portée pour la main droite, une pour la main gauche. C'est exceptionnel qu'il y ait une troisième portée en plus. Bon, ben, vous dites, qu'est-ce que c'est que cette troisième portée, celle qui est au milieu, quoi. C'est un thème dédié à Clara Schumann. Donc ben, c'est bien, il fait trois portées, il y a un thème pour ça. Sa promise, bon, ça va être dur à jouer, hein. Mais Clara Schumann, je l'ai dit, elle a joué avec les plus grands. Elle a joué notamment, quand elle avait 8 ans, avec un certain Thalberg. Thalberg, c'était un des plus grands virtuoses de l'époque, c'était le concurrent direct de Liszt, quoi. Ils se sont parfois accrochés, parfois combattus. Donc elle a joué avec Thalberg, et Thalberg, il avait la technique pour jouer, on appelait ça les trois mains. C'est-à-dire, il était tellement brillant dans son jeu qu'on pensait qu'il avait trois mains, quoi, une troisième qui sortait au milieu, qui faisait la voix du milieu. Alors, j'ai essayé de vous faire écouter cette technique des trois mains, mais avant, il faut que je fasse un tout petit rappel. Vous savez que Rossini a écrit un opéra qui est un vrai péplum, qui s'appelle Moïse, qui a été donné au Festival d'Aix l'année dernière, ça dure 4 heures.
Et ça a été un succès foudroyant, comme beaucoup de choses que faisait Rossini. Donc l'année d'après, le directeur du théâtre San Carlo a demandé à Rossini de refaire, on va rejouer Moïse, mais il faudrait rajouter un air. Donc Stendhal dit qu'il l'a écrit en une demi-heure, hein, il allait vite, hein, Rossini. Et il a fait cet air, qui est la prière de Moïse, pour que la mer Rouge s'écarte. Vous voyez, donc il fallait quand même... faire ça. Alors, il paraît que lors de la première, c'est le médecin qui était de garde ce soir-là qui raconte ça, au temps de San Carlo, toutes les femmes se sont évanouies en écoutant cette prière de Moïse. Donc, il a passé la nuit à réanimer les dames. Et la cantatrice numéro un du théâtre San Carlo, qui était la maîtresse du propriétaire du théâtre, a immédiatement quitté son amant pour épouser Rossini. Voilà. Donc, voilà cet air. Moïse. Ça, la mer Rouge ne peut que s'écarter. Alors voilà ce qu'en a fait Stolberg, technique des trois mains, c'est-à-dire il va faire dans une main la mer Rouge qui s'écarte, de l'autre main la mer Rouge qui s'écarte aussi, avec sa troisième main le thème de Moïse. Quel est son truc? Eh bien, il fait le thème de Moïse avec les pouces. Vous voyez, donc il fait toutes les vagues avec les quatre autres doigts, et Moïse, c'est les pouces, voilà ce que ça donne. En vert, les pouces en vert. Ben voilà, donc Schumann, il rend hommage à Clara, on va faire avec les pouces, on va faire le thème de Clara, et puis avec les quatre autres doigts, les deux autres portées. Eh bien non, il a écrit une petite indication, in rush time, ça veut dire voix intérieure. Donc qu'est-ce qu'il demande au pianiste? Il demande de penser au thème de Clara. Donc il joue main droite, main gauche, et la portée du milieu, il la pense. Donc vous imaginez, il faut qu'il arrive en la pensant, à faire sentir au public que Clara, qui pense à Clara, qui n'est pas là. Vous voyez ? Donc il faut qu'il fasse sentir la présence de l'absente. Vous voyez ? Alors voilà ce que ça donne. Hein. Ce n'est pas facile hein, pour un pianiste. Regardez un peu cette pianiste comme elle est concentrée. Elle pense à Clara. Et puis voilà, c'est qu'il ne s'arrête pas là, Schumann, c'est que le morceau continue, à la fin, il refait une reprise, mais là, il n'y a plus la troisième portée. C'est-à-dire que cette fois, il faut faire sentir l'absence de l'absente. Vous jouez les mêmes notes, dans un cas, il faut faire sentir la présence de l'absente, à la fin, l'absente de l'absente. Alors bon, là, la pianiste, elle se débrouille parce qu'elle va jouer moins fort, plus lentement, donc on sent tout de suite qu'il manque quelqu'un. C'est les mêmes notes. Vous avez un grand pianiste qui s'appelait Sviatoslav Richter, qui était un insoumis. Alors lui jouait le thème de Clara, comme ça. Mais il arrivait à faire sentir s'il était là ou pas là, mais il le jouait quand même. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la phénoménologie. Donc la phénoménologie, c'est une branche de la philosophie qui est dure à comprendre. Hein. C'est Heidegger, Husserl, etc. Moi, j'ai fait de la psychiatrie phénoménologique, donc ça prenait deux jours par mois. Après, il fallait le reste du week-end pour s'en remettre. Quoi. Ouais, ça. Alors, notre plus grand phénoménologue, c'est Maurice Merleau-Ponty. Et voilà ce qu'il nous dit. Alors là, vous allez tout comprendre. Si...
Vous auriez mis cette phrase il y a 5 minutes, vous n'auriez rien compris. Le propre du visible est d'avoir une doublure d'invisible au sens strict qu'il rend présent comme une certaine absence. C'est limpide, c'est limpide. Le propre du visible, quand vous écoutez Schumann jouer ça, avoir une doublure d'invisible, ben c'est Clara qui n'est pas là, au sens strict qu'il rend présent comme une certaine absence. Ça vous fait sentir que Clara est là alors qu'elle n'est pas là. Oui, ça n'a rien qu'à dire. Ça vous... Bon. Alors, en Corse, vous savez, il y a les polyphonies, puis en Sardaigne aussi. Et ben, on a un peu la même chose. Vous avez 4 Corses qui chantent la femme de leur pensée, c'est-à-dire la Vierge Marie, le Salve Regina, et des 4 voix, il y a une 5e voix qui émerge avec les harmoniques, c'est la Vierge. Des jazzmen, Charlie Parker, il pouvait vous faire penser à un thème de jazz sans le jouer. C'est-à-dire qu'il tournait autour du pot pendant toute une improvisation. À la fin, vous aviez en tête son thème alors qu'il n'avait pas joué. Vous voyez, c'est pas donc. Et puis bon, il y a tout ce qui est variation. Bon, variation, on pense aux variations Goldberg, bien sûr, qui a même l'apanage de Glenn Gould, où vous jouez une aria. Et puis après, il y a 30 variations sur cet air pour revenir à l'air initial. Quoi. Ça c'est du bac bien compliqué. Il faut quand même être un bon musicien pour reconnaître le thème dans les variations. Alors, voilà Gould qui nous joue les variations Goldberg. Et puis, vous voyez ce qu'il fait ? Il ne peut pas s'empêcher de chanter en même temps. Imaginez les ingénieurs du son, ils avaient la voix de Gould qui chantait par-dessus ce qu'il jouait. Voilà, là on le voit, on l'entend encore mieux. Vous entendez ? Voilà, alors longtemps... on a cherché à gommer cette voix de Gould qui était quand même qui gênait quand même l'écoute. Et puis maintenant on l'étudie. Et qu'est-ce qu'il chante le père Gould ? Eh bien, curieusement, il chante pas nécessairement une des voix de Bach. Il peut en faire une nouvelle. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il va rajouter un air en plus, une variation à ce que Bach a écrit. Vous voyez. Donc Bach, il pouvait écrire que pour 10 doigts. Donc ça rentre dans la tête de Gould, il est devenu Bach, il est en osmose avec Bach, et il arrive à sortir une variation de plus. Vous voyez, c'est pas c'est que Bach, s'il avait pu avoir un 11e doigt, il l'aurait fait. Quoi, c'est pas. Donc c'est extraordinaire. Quoi. Alors il y en a un autre qui est connu, mais alors dans le jazz, c'est Keith Jarrett. Alors Keith Jarrett, ça va encore plus loin, parce que lui, il grogne, et puis on a l'impression qu'il est dans un état de transe, on a l'impression qu'il veut se reproduire avec le piano. Voilà. Mais heureusement, la petite Élise dort, elle ne voit pas tout ça. Elle se couche tôt, c'est une petite fille. Donc elle dort, et puis qu'est-ce qu'elle fait en dormant ? Ben, elle repense à sa leçon de piano, elle repense au cours qu'elle a eu. Donc elle entend la voix de son prof, elle entend la voix de son père qui lui a parlé, elle a vu une grande pianiste célèbre qui donnait des cours sur Anne Kefelek, qui donnait des cours sur la lettre à Élise sur Internet. Donc elle a toutes ces voix dans la tête, elle les entend pour de bon. Alors qu'elle dort, hein. Elle a cette voix intérieure, plutôt le langage dans l'hémisphère gauche, la mélodie du langage, ce qu'on appelle la prosodie, dans l'hémisphère droit. Donc son cerveau, il fonctionne comme si elle entendait toutes ses voix, quoi, si vous voulez. Et puis, alors, c'est le moment de sortir votre atout.
sa théorie de l'esprit se met en route. C'est-à-dire que c'est extraordinaire, mais quand vous avez votre petite voix dans la tête, que vous dialoguez avec vous-même, votre cerveau sert à comprendre ce que vous voulez vous dire, vous voyez, comme si vous étiez en train de parler à quelqu'un. Donc quand vous avez votre petite voix dans la tête, vous cherchez à comprendre ce que vous voulez bien vous dire, vous voyez, c'est pas... Donc c'est la théorie de l'esprit qui se met en route avec vous-même. Voilà, votre atout, il faudra le sortir encore une fois. Donc on revient au démon de Socrate, et puis vous savez, Michel-Ange, quand il représente la création d'Adam, et Michel-Ange, qui était un grand anatomiste, il a plus disséqué que Léonard de Vinci, mais lui, il ne s'est pas fait prendre. Et vous savez que Léonard de Vinci avait été mis à la porte du Vatican pour dissection, mais Michel-Ange, il en faisait autant, mais il était plus discret. Et vous voyez que le créateur, il a la forme d'un cerveau, quoi, c'est pas... Donc il y a absolument tous les attributs, c'est extrêmement bien fait, vous voyez. Il y a le tronc cerveau, il y a tout, quoi. Donc mon seul désespoir, c'est que c'est un gynécologue qui a découvert ça. Alors, je suis vengé, moi j'ai découvert peut-être pas un utérus, mais au moins ou une vessie dans le déluge, mais enfin, ça, c'est hors sujet, donc je vous montre. Voilà. Alors, vous voyez, Michel-Ange, donc, il montre bien, on est en train de se parler à soi-même, ça va dans les deux sens, et finalement, le fait de se parler à soi-même, de chercher ce qu'on veut se dire, on a l'impression d'être deux. Vous voyez, Stromae l'a chanté, qu'il était plusieurs dans sa tête, enfin, dans une belle chanson. Donc, le fait de s'entendre parler dans sa tête, de chercher à comprendre ce qu'on veut dire, ben, ça a permis à Descartes de baser toute sa philosophie. Je pense, donc je suis. Vous voyez, il cherche à trouver d'où peut partir sa philosophie. Il se rend compte qu'il pense, qu'il est conscient qu'il pense. Donc, il dit « je pense, donc je suis ». Moi, ça m'a toujours paru un peu fumeux, cette histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que souvent, ce qu'on pense, c'est des choses qu'on nous a mis dans la tête. Moi, je dirais « je pense, donc je ne suis pas ». À partir du moment où on pense, on n'est plus, quoi. Il faut aller plus loin, il faut aller en amont. Enfin, je crois que vous vous doutez d'où je veux en venir. Donc, la petite Élise, elle dort plus profondément maintenant. Elle n'entend plus des paroles, elle entend sa lettre à Élise. Elle entend la musique dans sa tête. Alors, elle l'entend telle qu'elle l'a entendue sur son piano. Et puis, elle entend d'autres versions. Alors, pour la musique, oui, c'est un peu calqué hein, sur le langage, mais en plus diffus. L'écart entre les notes, c'est là. C'est pas loin de la zone qui nous permet de comprendre le langage. Et la mélodie, c'est par là, c'est à droite. Vous voyez. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a avec le langage, mais avec plus de circuits. Donc, elle a aussi ses petits doigts qui jouent dans sa tête. Même si elle ne bouge pas ses doigts, il joue. Demain, quand elle se réveillera, elle jouera mieux son morceau, parce qu'elle aura travaillé dans la nuit. Glenn Gould faisait beaucoup ça. Vous savez, Glenn Gould, il avait... au début, bon, c'était un virtuose, et puis après, il pouvait plus toucher les pianos. Il mettait des mitaines, enfin, donc, il lisait les partitions, et il jouait dans sa tête. Il apprenait la partition par cœur, il jouait dans sa tête, et quand il arrivait à l'enregistrement, le programme moteur était prêt. Et il s'en était aperçu un jour, parce que, pendant qu'il répétait, il y a la femme de ménage qui a fait tourner l'aspirateur. Donc, il n'entendait plus ce qu'il faisait, donc il a arrêté de jouer, et dans sa tête, il entendait le morceau qui continuait. Voyez. Alors, on a tous ce don. Si vous essayez de faire quelque chose dans votre tête sans le faire, votre cerveau fonctionne à 40% comme si vous le faisiez, vous voyez. Mais ça se travaille, et des gens comme Gould, ils arrivaient à 90-95%, vous voyez, c'est pas... J'ai un ami qui est violoncelliste, donc il était sur le conservatoire de Marseille et de Monaco, donc il passait beaucoup de temps dans le train avec un violoncelle, c'est pas pratique. Donc il imaginait son morceau dans la tête pendant le trajet, effectivement, quand il arrivait, il y avait déjà toute une partie du travail qui était fait. Alors les sportifs connaissent bien ça, vous savez, aux Jeux Olympiques en 68, à Grenoble, c'est là que la technique a commencé, un skieur qui pense à son parcours avant de le descendre, il a la médaille d'or, quoi, parce qu'il a déjà répété le parcours dans sa tête. Vous voyez. Donc elle dort, elle répète son morceau dans la tête, elle le jouera mieux demain. Et puis elle a entendu plein de versions de son morceau. Son père lui a montré sur Internet, il lui a montré une autre version. Voilà. Alors, c'est un western qui n'est pas très connu, mais la musique, c'est Ennio Morricone. Ah, il utilise cette trille, on sent qu'il va se passer quelque chose. Il fait arriver des guitares espagnoles, on est en Californie ou au Mexique. Vous voyez, avec la musique, il nous raconte déjà toute l'histoire. Un des protagonistes est allemand, avec la lettre à Élise, on s'en doutait. Vous
vont se tirer dessus, mais je ne peux pas passer trop parce qu'après, il y a des droits. Tout. Oui, Ennio Morricone nous a dit qu'il faut arrêter comme ça. Et si vous allez... Ennio Morricone était fou de la lettre à Elise. Hein. Il l'a utilisé des tas de fois dans des musiques de films. Et si vous réfléchissez bien, le cri du coyote à Ouahou, c'est la lettre à Elise, en accéléré. C'est la tri de la lettre à Elise qui annonce la suite, vous voyez, c'est pas... Et puis, sauf que ce morceau, dans ce western un peu oublié, n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, il est tombé dans l'oreille de Quentin Tarantino, qu'il a réutilisé à l'identique dans Inglourious Basterds, la scène du début d'Inglourious Basterds, où il réutilise cet air, et puis en même temps, il rend non seulement hommage à Ennio Morricone, mais aussi à Sergio Leone. Ça rappelle beaucoup, beaucoup, Il était une fois dans l'Ouest, mis à part que nous sommes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors cet homme est injuste, hein, il cache des gens dans sa cave. Hein. Les nazis arrivent. Papa ? Retournez à l'intérieur. Fermez la porte. Bon. Et voilà, la petite Elise, elle dort. Elle a ses doigts qui bougent dans sa tête. Elle saura mieux jouer demain. Et qu'est-ce qui se passe dans son cerveau ? Dernier atout, théorie de l'esprit. Ça a été démontré, quand vous entendez une musique, votre cerveau fonctionne comme si vous écoutiez quelqu'un, vous voyez ? C'est-à-dire que c'est comme si c'était une entité biologique qui vous parle, c'est pas juste une vibration dans l'air, votre cerveau, la musique vous parle, c'est un être vivant qui vient vous parler. Au Moyen-Âge, à Renaissance, on pensait que la musique c'était un petit animal invisible qui rentrait dans votre tête, qui trafiquait votre cerveau, mais on avait raison, c'est ce qui se passe, quoi. Et donc, si vous écoutez de la musique, votre cerveau pense que c'est quelqu'un, que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un. Oui. On a la même chose avec l'art visuel. Hein. Quand vous êtes devant la Joconde, votre cerveau fonctionne comme si vous étiez devant Mona Lisa. Oui. Donc, que ce soit les arts visuels ou la musique, notre cerveau le considère comme une entité biologique, pas comme un objet. Oui. C'est quelque chose qui existe. Donc, elle est en contact avec le grand Ludwig van qui est dans sa tête. Elle est dans la théorie de l'esprit. Voilà. Alors... Et voilà, alors elle se pose des questions, elle se dit hein, quand même ce Beethoven, il avait une immortelle bien-aimée, qui ça pouvait être cette immortelle bien-aimée, ça pouvait pas être des filles qui s'appelaient pas Élise, quand même c'est pas possible, on cite quelques princesses, non, si la petite Élise, elle pense que l'immortelle bien-aimée de Beethoven, ça pouvait être qu'elle, quoi, comme, et comme ça elle s'endort, et puis elle s'endort, elle a Beethoven dans la tête, et puis à ce moment-là, il y a son cœur qui bat. Parce que quand vous écoutez une musique qui vous plaît, même si vous l'avez dans votre tête, votre cœur y bat, vos intestins y vrillent. Donc, si vous voulez, on peut dire qu'elle est viscéralement consciente qu'elle existe. Oui. Et ça, c'est quand même bien plus fort que cogito ergo sum. Vous entendez une musique qui vous plaît, vous savez que vous êtes là, que vous êtes vivant, vous avez envie d'en profiter avant qu'il fasse nuit. Donc, si vous voulez, elle est là, elle est coincée entre Beethoven, son cœur qui bat, ses intestins qui se nouent, son cerveau en ébullition. Puis, c'est sur la ligne de vie entre les deux. Eh ben, c'est là la ligne de l'existence. Donc elle sait qu'elle vit. C'est mieux, non, quand même, vous êtes d'accord, musico ergo sum, plutôt que cogito. Et puis elle a une grande chance, parce qu'une fois qu'elle dort bien, ben, c'est Mozart qui vient lui rendre visite. C'est Papageno qui vient lui apporter avec son petit carillon l'air que Mozart a composé pour Papageno et qui rend tout le monde heureux, même les plus méchants. Écoutez cet air. Et voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Anne Sylvestre. Il y a des chanteurs. Ma voisine ne sait jouer que ça, gna gna gna, gna gna gna. Du matin au soir il n'y en a, la la la, la la la. Que pour Élise, et supposons que je
suis à ma façon. Depuis le temps que tu entends ça, gna gna gna, gna gna gna, est-ce que ça ne te saoule pas, la la la, la la la. Merci à vous. Eh bien voilà, une conférence scientifique tout à fait particulière, vous l'avouerez. Alors effectivement, dans le livre, c'est pas tout à fait ce que l'on a entendu ce soir. Ce n'est que le dernier chapitre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous évoquez dans ce livre, avec aussi, on a bien compris que vous aviez beaucoup d'humour. La plupart des têtes de chapitres ou des paragraphes sont des titres de chansons, quand Jules est au violon, qu'est-ce qu'il y a encore, j'avais noté parce que j'oublie tout, qu'est-ce qu'il y a encore, vous dirais-je maman, oui, pour nos vies martiennes, pour les autistes. Oui, 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 il y a beaucoup, beaucoup de... Alors maintenant, il y a peut-être des questions que vous vous posez sur comment utiliser ce rapprochement entre le cerveau et l'art et l'utiliser, par exemple, par rapport à des maladies ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez des questions à poser? Si oui, vous faites... Voilà. Où sont-ils? Mais c'est Mathéo et Nolwenn, pardon, Nolwenn, excuse-moi. Voilà, tu peux y aller. Bonsoir, merci pour la conférence. Je me demandais, est-ce que les personnes qui continuent à se parler à voix haute sont des personnes qui cherchent quelque part à retrouver un univers rassurant et parce que ça les raccroche à l'enfance ? Je pense, oui, parce que il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'adultes qui parlent tout seuls, mais ils le font pas devant les autres, quoi. Ils le font quand ils sont dans la salle de bain ou quelque chose comme ça. Mais c'est ce phénomène qui persiste, quoi. C'est pas, oui, tout à fait. Ça rappelle, ça rassure. C'est comme si on n'est pas tout seul. Les gens qui vivent seuls, souvent, ils se parlent à eux-mêmes, hein, ils parlent à voix haute. Et je me permets de continuer. Si cela persiste en groupe, enfin sous forme de syndrome de Gilles de la Tourette, par exemple. Ah oui. Là, c'est différent parce que c'est la maladie des tics, c'est fait un peu comme un tic. Il y en a qui disent que Mozart avait un Gilles de la Tourette, hein, c'est pas parce qu'on peut pas s'empêcher de dire des gros mots, on a des tics. Alors Mozart avec son rire, et puis il aimait bien les gros mots, il aimait bien, donc peut-être qu'il en avait un. Papageno, c'est vraiment, j'ai une patiente Gilles de la Tourette qui m'a sorti un jour, alors qu'elle connaissait pas Papageno, elle m'a sorti pa, comme dans Papageno, comme dans la flûte enchantée. Donc c'est différent, là, c'est quand même différent, parce que c'est pas vraiment un langage, c'est juste des jurons qui sortent comme ça, c'est pas... Alors j'ai un banquier qui a ça aussi, il est vraiment gêné quand il doit faire signer un contrat et qu'il se met à dire « salope !» Mais bon, il s'y habitue, et puis ça se soigne quand même. Il y a un batteur de jazz qui avait un Gilles de la Tourette, et quand il a été soigné, ben, il était moins bon batteur de jazz. J'ai une question sur Internet. Pourquoi le mode majeur est joyeux et le mode mineur est triste? Alors, ça vient un peu... Enfin bon, c'est une opinion comme une autre, mais dans la nature, les harmoniques existent. Vous savez, quand vous entendez un son, c'est comme une poupée russe. Vous avez d'autres sons qui suivent. Par exemple, derrière un do, derrière vous avez un sol, vous avez un mi. Donc, dans la nature, on a tous les jours, on est en contact avec des accords majeurs. Donc, on y est habitué, c'est quelque chose qu'on connaît. Si on fait un accord mineur... Il y a un petit côté, une petite étrangeté, vous voyez. Donc du coup, ça nous surprend un peu, vous voyez. C'est pas. Alors, il y a des gens qui s'amusent comme ça, à jouer des morceaux en majeur, jouer la Marseillaise en mineur, vous voyez. Ça change tout, quoi. C'est pas. Donc c'est. Une autre question dans la salle? Oui, 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 oui. Alors devant, ici, je ne sais pas si tu as quelqu'un Nolwenn de ton côté. Voilà. Voilà le micro. André, la question d'André. Oui, merci.
Pendant certaines maladies comme ça, il y en a qui écoutent de la musique. Quelle est l'importance du thème musical choisi par le thérapeute pour apaiser les souffrances, apaiser les maux, M-A-U-X ou les mots M-O-T, quoi, selon les paroles qui sont dites, involontairement peut-être? Mais c'est, disons qu'il bon, y a des grands standards. On sait que Mozart, il passe partout, dans toutes dans toutes les cultures, les Beatles aussi, mais on a tous nos goûts et nos couleurs. Donc on ne peut pas imposer une musique. Vous voyez, c'est vraiment le patient qui choisit celle qui lui plaît, qui s'oriente vers celle qui lui plaît. Quand on travaille avec des patients Alzheimer, c'est souvent des airs qu'ils ont connus entre 15 et 25 ans. Vous voyez, maintenant, c'est « I can get no satisfaction ». Donc vous voyez, c'est quelque chose... Ce qu'on entend entre 15 et 25 ans, ça fait partie de nous. Vous voyez, on l'a pour la vie. Après, tout ce qu'on entend après, on va le comparer à ce qu'on a entendu entre 15 et 25. Donc, pour les souvenirs, c'est ça. Maintenant, après, paradoxalement, si vous êtes triste, si vous écoutez un morceau triste mais qui soit beau, vous serez moins triste à la fin, notamment Tristesse de Chopin. Vous voyez, vous écoutez Tristesse de Chopin alors que vous êtes triste, il faut quand même avoir envie de l'écouter. Mais si vous l'écoutez, vous êtes moins triste parce que Chopin, il chante. Donc, c'est un ami qui vient vous parler, il vous fait sécréter toutes ces bonnes substances du système du plaisir et de la récompense. Et quand il s'en va, il part avec un peu de votre tristesse, que vous êtes moins triste. Mais il y a pas, on ne peut pas imposer à quelqu'un. Moi, je fais marcher les parkinsoniens, je leur demande de me chanter une musique. Je suis à Toulon, donc il y en a qui me chantent l'air de la Légion, mais il y en a qui me chantent l'International, il y en a qui me... Enfin, donc c'est ce qui leur fait plaisir, vu que ça marche. Quoi. C'est... Une autre question, quelqu'un a le micro? Oui, allez-y, je vous en prie. Les liens entre la musique et le cerveau m'évoquent en fait une grande fragilité. En fait, la question que je me pose, c'est... comment stimuler ça chez un enfant, chez des jeunes adultes, de la meilleure manière qui soit, et éviter en fait peut-être d'avoir des comportements involontaires qui pourraient briser en fait ce lien, parce que enfin, voilà, ça m'évoque quelque chose de très fragile en fait. Vous parlez de cette petite fille qui dort. Je ne sais pas si les voisins font du bruit ou n'en font pas? Est-ce que oui, c'est un problème? Est-ce que c'est une richesse? Et que si vous pouviez développer un peu, c'est ça. Oh ben, je pense qu'il faut commencer dès dans le ventre de la maman. Quoi. Si vous chantez à un bébé qui est dans le ventre de sa mère, il sera très content. Après, il va se souvenir un peu de ses airs qui vont pouvoir le calmer, l'apaiser. Vous savez, toujours le premier qui a fait ça, c'était un dentiste qui s'appelait Feijot, qui était à Fréjus, mais il y a très longtemps. Il faisait écouter Pierre et le Loup. Et vous savez, les graves passaient, notamment l'air du basson du grand-père. Et après, quand les bébés étaient nés, ben, quand on leur passait l'air du basson, ça les tranquillisait, ça les calmait. Bon, bien sûr, il ne faut pas non plus que ce soit sans arrêt. Il faut pas. Les enfants, ils aiment bien la musique spontanément, souvent. Hein, si vous prenez des bébés de 9 mois, vous leur apprenez un rythme de valse, ben, ils vont parler plus vite parce qu'ils détecteront. L'étude qui avait été faite, on leur faisait apprendre un rythme à 3 temps, une fois de temps en temps, il y avait une petite erreur dans le rythme à 3 temps. Donc, ils apprenaient à détecter ça, et après, ils détectaient des variations. La maman leur disait bébé, 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 bébé. Et ben, ils apprenaient à détecter la variation du rythme de la voix de la mère, et après, ils parlaient plus vite. Mais il ne faut pas non plus leur en mettre toute la journée. Il faut quand même les laisser évoluer. Gould avait beaucoup souffert de ça, parce que sa mère voulait qu'il soit Mozart, donc elle le martyrisait un peu. Quoi. Elle était sur les genoux de sa mère. S'il jouait faux, elle le pinçait. Elle le mettait à l'autre bout de la pièce, elle jouait de notes. Il fallait qu'il trouve la note pour avoir le droit de rentrer. Bon, comme il a l'oreille absolue, ça ne gênait pas beaucoup. Quoi. Enfin, ça pouvait l'en détourner, quoi, c'est sûr. Il y a beaucoup de questions qui arrivent. D'accord. Aussi sur Internet. Existe-t-il justement des pathologies neurologiques déclenchées par la musique? Ça rejoint un peu. Déclenchées par la musique. Eh ben, ça peut servir de torture. Hein. Guantanamo, il y avait des tortures utilisées, notamment Born in America. Ça plaisait pas trop aux djihadistes. Mais enfin, on comprend un peu que ça, surtout à fond. Mais il peut y avoir des fois des sons qu'on ne supporte pas, quoi, si vous voulez. Et puis c'est Bernard. Vous citez dans le livre Pascal Quinard qui a écrit un livre. Ben, il a écrit ça. La haine de la musique. C'est ça. Et qui dit. Il dit que les oreilles n'ont pas de paupières. Oui. Les oreilles n'ont pas de paupières, donc on peut pas filtrer quand il y a quelque chose qui peut être dangereux, qui peut ne pas nous plaire, quoi.
Alors, il y a une petite question critique. Là, pourquoi avoir commencé la conférence avec une schématisation du cerveau triunique alors que la recherche a démontré la fausseté de ce modèle? Bien sûr, mais d'ailleurs, j'en ai donné que deux. C'était juste, je vous ai dit qu'il y en avait un de trop et qu'on n'en garderait que deux. D'accord. C'est bon. Voilà la réponse. Autre question dans la salle? Allez-y, je vous en prie. Vous avez le micro? Non, on vous le donne. Et je viens vers toi après, Mathéo. Oui, dans vos propos, vous avez parlé essentiellement de la pensée. Je me demandais si vous accordiez une place au corps dans l'écoute musicale. Oui, bien sûr, parce que... Parce que vous n'en avez pas parlé. Je dis qu'elle jouait dans son cerveau. Ah, je ne peux pas vous parler de tout. Mais je dis qu'elle jouait dans son cerveau, la petite Élise. Vous voyez, elle a ses doigts qui bougent tout seul dans son cerveau. Et c'est sûr que la musique induit l'envie de bouger, obligatoirement. C'est immédiatement, vous entendez une musique, vous avez envie de bouger. C'est tout à fait naturel, vous voyez. Ça oriente vers le mouvement. Donc ça, il n'y a pas de souci. La musique donne envie de danser, enfin, en général, c'est pas... Quelqu'un d'autre a le micro? Oui, à gauche, là-bas, tout à fait à gauche, allez-y. Moi, je voulais savoir si le tempo de la musique ou le style de la musique pouvait varier ou influer sur le comportement du patient ou autre. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, le truc le plus connu, c'est ce qui s'appelle le montage en U, c'est pour la douleur, vous voyez. Donc, vous partez avec une musique qui est fort volume, rapide, vous voyez, et puis vous allez de plus en plus lent, de moins en moins d'instruments. Et puis après, vous remontez sans aller jusqu'au niveau initial. Et ça vous fait stimuler plein de morphine endogène, quoi, des choses comme ça. Donc ça marche bien pour la douleur. Mais c'est sûr que le tempo agit beaucoup. Qu'est-ce qui avait été montré aussi sur l'impression de puissance? Vous voyez, vous mettez bien des graves, du majeur, et ça vous donne une impression de puissance. C'est-à-dire qu'après, si l'opérateur vous donne... Il vous fait choisir pour faire un tirage de dés, soit c'est l'opérateur qui fait le tirage, soit c'est le sujet. Mais le sujet va vouloir jouer au dés. Il pense qu'il aura le pouvoir de faire le bon tirage. Vous voyez. Donc c'est vrai que après, ça donne envie d'envahir la Pologne. Quoi. Ça avait été fait avec du Wagner. Mais ça a été aussi fait avec du Queen, We Will Rock You. We Will Rock You, ça donne une impression de puissance. Quoi. Alors, une autre personne. Et on revient, ensuite tu descendras, Mathéo, parce qu'il y a plein de demandes devant aussi. Allez-y, je vous en prie. Oui, donc déjà, merci beaucoup pour cette conférence. Et j'avais une question. Vous avez dit au début que ce qui rendait un morceau attrayant, c'était notamment son répétition d'un motif. Mais dans certaines œuvres, je pense par exemple à du Ravel, dans Gaspard de la Nuit ou encore Reflet dans l'eau de Debussy, il n'y a pas vraiment de thème, il n'y a pas vraiment de mélodie, pourtant les morceaux restent quand même attrayants. Et je voulais savoir donc qu'est-ce qui rendait... Parce que là, des surprises chez Ravel et chez Debussy, vous en avez plein. Quoi. Donc, là, vous êtes surpris sans arrêt, quoi. Ils vous surprennent à chaque fois. Enfin, une fois que vous rentrez dans leur monde, vous le comprenez un peu mieux. Mais là, question surprise, il y en a toutes les mesures. Quoi. Donc c'est ça, c'est quelque chose de... Enfin, je veux dire, ça vous met le cerveau en ébullition, quoi, c'est sûr. Alors, moi, je voulais, dans le livre, à un moment, vous parlez de collègues, je crois qu'ils sont de Marseille, et qui travaillent auprès de dyslexiques, oui. Sur la resynchronisation, oui. Alors, c'est ça? C'est bon, il y a Michel Habib, et puis il y a Daniel Eschen qui travaille là-dessus, qui est lui-même musicien, qui est violoncelliste. Michel Habib est un grand spécialiste du tango. Enfin, ils ont tous. Alors, ils pensent, avec certainement, c'est vrai puisque leur technique marche. Ils pensent que la dyslexie, c'est un trouble d'apprentissage du rythme d'une langue. Le bébé, quand il apprend à parler, il écoute la musique d'une langue et sa segmentation. Et si cette étape-là se fait mal, il peut être dyslexique, avoir du mal, parce qu'il y a cette étape de, on va dire, du rythme qui n'est pas passé. Donc, ils font parler en rythme où ils font danser le tango et ça améliore les dyslexiques. Ça, c'est sûr, ils ont des bons résultats. Quoi. Quelqu'un a le micro? Allez-y. Oui, bonjour. Vous avez dit donc, que quand on écoute de la musique, c'est comme si on avait une interaction avec une autre personne dans sa tête. Oui. Et moi, ce que je me demande, c'est dans quelle mesure le fait d'écouter de la musique, d'en jouer, d'en pratiquer, peut justement aider dans l'apprentissage de la sociabilité. Oui, bravo, oui. Ah ben, c'est un des grands pouvoirs de la musique, c'est de rendre sociable. Alors là, c'est une étude qui a été faite, c'est des enfants, je crois qu'ils ont 8-9 ans,
Alors, on prend un groupe d'enfants, on les habille d'une certaine couleur, un autre groupe d'une autre couleur, on va être par exemple des bleus et des oranges. Ben, vous les mettez ensemble dans la cour de récréation, les bleus, ils vont discuter avec les bleus, les oranges avec les bleus, quoi. Vous commencez à faire de la musique ensemble, ils vont se mélanger. Vous voyez, les applications qu'on pourrait avoir dans la société, ce serait pas mal, hein, c'est vrai. Alors, je prends une question Internet parce qu'il y a Sandrine, là, elle s'énerve un peu parce qu'elle veut savoir quelle musique contre la douleur. Alors, une musique qui nous plaît, parce qu'à partir du moment où vous écoutez une musique qui vous plaît, elle vous fait sécréter donc le système du plaisir et de la récompense, Dionysos, il fait sécréter plein de bonnes substances, notamment de la morphine. Et c'est quand vous sécrétez la morphine que vous avez les frissons. Vous savez, vous avez des frissons en écoutant de la musique, ça peut être un opéra, mais ça peut être un petit air de variété, vous avez des frissons, là vous êtes plein de morphine. Donc si vous avez de la douleur, eh ben, la douleur diminue, c'est un vrai médicament. Alors elle diminue non seulement parce que la musique vous occupe à autre chose, ça vous fait un peu oublier votre douleur, mais en même temps vous sécrétez de la morphine, donc il y a un côté médicament. Quoi, vous voyez, mais il faut prendre celle qu'on aime, on peut pas imposer. Hein, ça... Bien sûr. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, il y a quelques questions. Vous avez dit que la musique, ça donnait envie de bouger. Oui. Pourquoi ? Alors, parce que vous avez... Enfin, il y a plusieurs explications, mais il y en a une. Il y a ce qu'on a dans notre cerveau, des neurones miroirs, si vous voulez. Donc, on imite ce qu'on voit qu'il est en train de faire. Vous voyez, c'est pas... Donc, à partir de ce moment-là, vous allez imiter le musicien qui joue, la musique. Comme ça va être comme quelqu'un qui vous parle, mais qui vous parle en rythme, vous allez suivre le rythme, quoi, c'est pas... Alors, il paraît qu'il n'y a que nous, que l'espèce humaine, qui est capable de faire ça. Quoi. Il y a des animaux qui arrivent un peu. On a tous eu des oiseaux qui étaient un peu en rythme. Les chevaux, c'est faux. Hein. Les chevaux qui avancent au rythme de la musique, c'est les musiciens qui suivent le cheval. Hein. C'est pas l'inverse. Mais nous, c'est un peu une spécificité de l'espèce humaine. Si on aimait une musique, on va suivre le rythme. Quoi. Donc, on va bouger en rythme. C'est peut-être comme ça qu'on apprend à parler. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on parle, quoi, ça. Allez-y, bonsoir. 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 C'est une question sur la tarentelle. Oui. Il y a un film et différents écrits qui parlent de la tarentelle comme étant une musique où l'on recherche la bonne vibration qui rentrera en accord avec une personne. Est-ce que c'est simplement une belle légende, la tradition, ou bien il y a des faits qui ont été observés qui... Oui, bien sûr. Ah ben, c'est passionnant. Hein. Et puis surtout, ça revient à la mode. Quand vous allez dans les Pouilles, maintenant, vous avez... Avant, c'était caché, hein, c'était un peu magique. Enfin, mais maintenant, c'est redevenu au grand jour. Donc, vous allez dans les Pouilles, vous assisterez à la tarentelle. Et puis, je vous conseille, vous trouvez facilement sur Internet, il y a des assistants de Fellini qui sont allés filmer les vrais séances de tarentelle, donc au milieu ou au début du siècle dernier. Et donc c'était une expédition, hein, d'aller dans le sud de l'Italie à l'époque, sur avec des caméras, et c'est phénoménal. Mais vous êtes dans une société où la femme n'a pas grand-chose à dire. Vous voyez, vous avez comme ça des familles nombreuses dans lesquelles il y a des femmes qui ne pouvaient pas s'exprimer ou qui étaient un petit peu le... Vous savez, il y a toujours, pour qu'une famille tourne bien, fonctionne bien, il y en a toujours un qui est sacrifié. Vous voyez, c'est pas... Donc ces femmes qui étaient un peu sacrifiées, qui étaient la dernière roue de la charrette, quand il y avait une espèce d'exorcisme avec la tarentelle, elles pouvaient bouger. Il y avait ça ressemblait un peu... Donc c'était une façon de s'en sortir. C'était mieux que l'asile psychiatrique. Vous voyez, ça valait mieux vibrer avec la tarentelle. Et elles sortaient de leur léthargie. Vous connaissez l'histoire au début, quoi, de la tarentelle. Hein. On pensait que c'était la tarentule qui les avait piquées. Et donc, il fallait la tarentelle pour les en sortir. Alors, c'était tout à fait païen. Et puis, vous avez un jésuite qui s'appelait Athanasius Kircher, qui était un jésuite qui travaillait au Vatican et qui l'a fait rentrer dans l'Église. Donc, il y a beaucoup de choses. Enfin, c'est fabuleux, la tarentelle. Mais ça marche bien dans une culture donnée, parce que c'était l'exutoire. Vous imaginez, vous êtes la dernière fille d'une famille où il y en a, où vous êtes 7 ou 8, vous n'avez rien à dire, vous n'avez aucune... D'un coup, on vient vous jouer de la musique, ça vous permet de sortir, de vous exprimer. On voit ces femmes, elles descendent dans la rue, elles bougent, etc. C'est le grand jour, quoi, si vous voulez. Donc c'était quand même... Ça avait une fonction thérapeutique dans un contexte donné. Bon, aujourd'hui, si on nous joue une quarantaine, c'est toujours quand même des morceaux très vifs, hein, donc c'est toujours agréable à écouter. Il y a plein de grands musiciens qui ont fait des tarentelles, hein, qui se sont amusés avec. Mais c'est superbe, c'est une très belle histoire. Hein, ça.
Alors, monsieur le marquis, il y a un monsieur là-bas qui a le micro à droite. Oui, bonsoir. Vous avez parlé un peu de la musique et la suppression de la douleur. Est-ce que vous pouvez parler de la musique et de la guérison ? Est-ce qu'il y a des preuves un peu de l'effet de la musique pour guérir ? Alors, pour guérir des dépressions, de l'anxiété, bien sûr, ça peut guérir. Bon, maintenant, quand il y a une lésion organique... Si vous avez un cancer, un truc comme ça, là, c'est beaucoup plus difficile à partir du moment où les tissus sont abîmés. Mais si c'est psychosomatique, ça peut bien marcher, et puis bien moins dangereux que les médicaments. Donc, si vous voulez, ça peut aussi donner envie de guérir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une maladie lourde, et puis ils n'ont plus envie de lutter. Donc, la musique ou les arts en général, ça peut leur redonner la pêche pour avoir envie de s'en sortir, vous voyez, redonner un espoir... C'est souvent, vous tournez en rond. Alors, la musique qui arrive ou une visuelle, ça vous fait sortir du cercle dans lequel vous êtes, et puis vous pouvez repartir vers un, avoir envie de guérir, partir vers un nouveau développement. Donc, c'est fondamental, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une question Internet. Y a-t-il un lien entre les pathologies et le développement du génie musical ? Est-ce qu'il y a une modification cérébrale qui, du coup, donne accès à un monde musical plus vaste, plus riche ? Alors, quand on regarde bien, il y a quand même beaucoup de points communs entre les autistes de haut niveau, savants musiciens et les génies. Ils ont des points communs. Les génies et les autistes musiciens, ils retiennent tout. Ils entendent la musique une fois. On pense à Mozart, à la Sixtine, avec le Miserere d'Allegri. Ils entendent une musique une fois, elle est gravée. Ils l'ont tout de suite, quoi, si vous voulez. Après, ils savent la réutiliser, quoi. Donc, ils peuvent. Alors, le génie va la réutiliser, va bien. Quand on voit Mozart. Il récupère tout ce qu'il a entendu, il en fait quelque chose. Après, il récupère ce qu'il a fait pour en faire quelque chose d'encore mieux. Michel-Ange, il prend tout ce qu'il a vu, même tout ce qu'il a palpé, il le ressort. Même après, quand il est à la fin de sa vie, il était aveugle, mais il allait encore toucher le bus du Belvédère parce que ça lui rappelait des choses. Donc, il y a des points communs, quoi. Oui. Bonsoir. Je me demandais si les substances sécrétées lorsqu'on écoutait de la musique pouvaient créer une dépendance. Alors, vous avez raison, puisque c'est le système du plaisir de la récompense, c'est là où agissent les drogues. Mais avec la musique, on n'a jamais eu le seul truc qu'on puisse avoir, on n'a jamais eu quelque chose de dangereux. La seule chose qu'on puisse avoir, c'est avoir une musique qui vous passe dans la tête en boucle. Vous voyez, donc au bout d'un moment, vous en avez assez. Mais à chaque fois qu'elle passe, vous sécrétez toutes ces bonnes substances. Donc votre corps, lui, il la fait encore passer, alors que vous en avez assez. Alors il y a deux trucs pour faire passer une musique qui est dans votre tête, comme ça, qui passe sans arrêt. C'est soit trouver une autre musique qui vous plaise autant, soit mâcher du chewing-gum. Parce que quand vous mâchez du chewing-gum, vous occupez votre cerveau à autre chose, donc du coup, il peut un peu oublier cette musique que vous avez en boucle dans la tête. Oui, alors j'en pose une. Juste dans le livre aussi, moi j'ai appris plein de choses dans le livre aussi, et j'ai retenu qu'à un moment vous dites que le cerveau d'un pianiste de jazz est différent du cerveau d'un pianiste classique. Et oui, ça a été bien étudié. Comment on a fait pour l'étudier ? Eh ben, on met des photos de trois accords successifs, mais il n'y a pas de son. Donc, c'est soit un pianiste de jazz, soit un pianiste classique qui regarde. Et après, on demande de trouver une quatrième photo. Donc, le pianiste classique, il va tout de suite repérer la bonne position des doigts pour jouer le mieux possible. Et le pianiste de jazz, il va repérer tout de suite l'accord le plus insolite possible, vous voyez ? Parce qu'il y en a un qui doit jouer le mieux possible un morceau qui est écrit, et l'autre qui doit inventer, improviser. Donc ils ont du tout. Il faut 10 ans pour passer de l'un à l'autre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi. Keith Jarrett a réussi à jouer du Bach de manière. Il a joué les variations Goldberg. Il les a très très bien jouées. Et puis il y a quelques autres exemples de pianistes classiques qui sont passés au jazz. Mais les gens qui ont la double formation, c'est superbe. Vous avez notamment Lucas De Bargue là en ce moment qui est un pianiste bon, qui n'est plus si jeune que ça, qui commence à évoluer, mais quand il y a la double formation, c'est extraordinaire. On avait pu le voir à la Roque d'Anteron, il nous jouait le concerto numéro 1 de Tchaïkovski, enfin vraiment quelque chose que tout le monde, qu'on a entendu des dizaines de fois, et il le jouait comme un joueur de jazz, on a l'impression qu'il le recréait, quoi, que c'était la première fois qu'on l'entendait, quoi, c'était beau. Quoi, ça. Qui a le micro ? Faites-nous signe. Parce oui, que, voilà, je vois. Tout à l'heure, il a été évoqué le lien entre la musique et non pas que la tête, mais aussi le corps. Oui. Et à ce propos, ça m'a fait retrouver un souvenir
où j'avais travaillé avec des malentendants et où la salle de musique avait été adaptée en mettant un sol de bois, parce que du coup, ils entendaient la musique par le corps, ils étaient allongés, enfin, etc. Et du coup, je viens à la question que ça m'a entraînée. Est-ce que, par rapport à, aux constitutions des murs de maison, il peut y avoir justement une percussion, enfin une perception plutôt de la musique différente qui, du coup, vient du fait que, pour le même instrument, on ne le percevra pas de la même façon selon si on a des murs en bois, en béton ou je ne sais quoi. Ah oui, ben tout à fait. L'acoustique des salles de concert, c'est vraiment quelque chose de très fin, de très étudié. Oui, c'est pour ça qu'il y a des fois un peu du bois pour réverbérer. Et puis, prenez déjà dans l'Antiquité, les Romains qui mettaient des vases dans les murs pour faire de la réverbération. Vous voyez, donc ça faisait des caisses de résonance. Enfin, ça a été vraiment étudié. Ça change tout, hein, l'acoustique. Hein, c'est vrai. Mais bon, c'est une science de très haut niveau, quoi. Ça. Alors, allez-y, il y a une question juste ici. C'est un peu dans la même continuité de la question précédente, mais j'aimerais bien que vous parliez un peu plus de l'aspect vibratoire et sensoriel, parce que pour l'instant, c'est plus la ligne musicale, ces imprévus et ces qui forment qui induit de la dopamine, d'après ce que j'ai compris dans votre discours. Mais pour moi, la musique, c'est aussi un côté sensoriel. Oui. Et c'est le sensoriel dans le cerveau a sûrement aussi peut être lié à un phénomène de guérison ou d'autres chemins, je ne sais pas. Oui, bah attention, nos oreilles, c'est simplement un récepteur cutané, un récepteur au tac qui a évolué. Mais des oreilles, on en a plein de partout, vous voyez, c'est pas... Par le tact, vous sentez la vibration. Si vous allez à un concert de rock et que vous mettez des boules dans les oreilles pour pas devenir sourd à la fin, mais vous êtes traversé par la musique, quoi. Donc, ça agit sur... L'oreille, c'est qu'un capteur tactile qui est super évolué, mais on capte avec partout, avec notre corps entier, quoi. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui a le micro et quelqu'un qui le demande encore. On va prendre aussi votre question et puis après, voilà, allez-y. Merci. Ma question concerne l'apprentissage. Certains préfèrent travailler en musique, certains préfèrent travailler dans un silence absolu, par exemple. Est-ce que, d'un point de vue neurologique, on pourrait avoir votre avis là-dessus Alors, quelques mots. Tout dépend. Par exemple, si vous devez être hyper concentré, vous devez apprendre quelque chose de très vite. Donc à ce moment-là, il vaut mieux être dans le calme. Faut pas saturer d'autres entrées. Mais bon, si vous devez faire des révisions, que vous devez réviser 10 heures par jour, vous pouvez pas être concentré à fond pendant 10 heures. Donc un peu de musique, ça déstresse, vous voyez. Donc ça permet de travailler plus longtemps, ou si vous faites un devoir, quelque chose comme ça, le faire avec la musique, ça vous déstresse. Mais il faut pas qu'il y ait de paroles dans votre langue. Vous voyez, si vous entendez une voix qui parle en même temps, ça va vous... Donc c'est de la musique sans parole, ou en tout cas pas dans votre langue. Et puis, il ne faut pas que vous soyez musicien. Parce qu'un musicien, j'ai un ami qui est chef d'orchestre, si à l'apéro, vous lui passez du Mozart, il n'est plus là. Il écoute ce que vous êtes... Il n'est plus dans la conversation, il est dans la musique. Vous voyez. Donc il faut que ce soit adapté à ce que vous faites. Quoi, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça déstresse. Si on écoute de la musique, on peut tenir le coup plus longtemps. Quoi. Allez, encore une question. Bonsoir. Merci pour la conférence. J'aimerais savoir quelle est votre playlist bien-être. Ah, oh là là. Alors, vous savez, moi, je suis Beatles. Hein, je me suis marié déguisé en Sergent Pepper. Donc, j'aurais voulu voir ça. Bon, donc vous avez une petite idée, quoi, ça va. Bon, après, évidemment, Mozart a une grande place, Bach, enfin, tous les compositeurs classiques aussi. Bon, on va mettre... je ne peux pas vous dire, il y en a tellement, tellement, tellement qui me plaisent. Et puis, plus vous en connaissez, plus vous avez envie d'en connaître, quoi, ça va. Mais bon, il reste le...
On va dire que Bach, Mozart et les Beatles restent, Beethoven reste, mais Beethoven pour de mauvaises raisons, à cause d'Orange Mécanique. C'est pas... Alors il y a encore plein de questions sur Internet. Il y avait 180 personnes qui ont suivi toute la conférence et toute la soirée avec nous. Et alors il y a quelqu'un qui demande. Alors il y a encore plein de questions sur les musiques créées par l'intelligence artificielle. On aura l'occasion d'en reparler parce qu'on va avoir une exposition sur les intelligences artificielles. Animal, l'intelligence des plantes, etc. etc. Le mot ne me plaît pas. Moi, je n'ai jamais encaissé. Je ne vois pas comment une intelligence peut être artificielle. Ben, c'est exactement ce que dit Cédric Villani, qui viendra aussi l'année prochaine pour nous en parler. Il dit que ce n'est pas une bonne définition. Juste, il y avait une question aussi sur Internet qui disait ceci. La musique peut-elle avoir une influence sur nos prises de décision ? Alors, oui. Comme moi, il faut que je prenne une décision dans 5 minutes. Non. À l'instant même, pour dire qu'il faut arrêter. Vous ne pourriez pas me chanter quelque chose pour m'aider à prendre cette décision ? Non, mais c'est très utilisé dans les supermarchés le matin. Enfin, quand les actifs viennent faire les courses, on peut leur mettre un peu de rock, quelque chose. Enfin, il faut faire quelque chose qui leur donne envie d'acheter. Vous voyez. Donc on peut vraiment prendre des décisions. Dans le métro à Londres, ils mettaient du classique pour éloigner des gens qui voulaient éloigner du métro. Il y a des moyens. Si, ça induit et ça agit énormément sur nos comportements. Alors pour m'aider à dire que la soirée est finie, qu'est-ce qu'on met comme... The show must go on. Voilà, merci beaucoup Pierre Lemarquis pour cette conférence. Un grand merci.